vraiment, je vous salue encore toutes et tous pour votre présence ponctuelle et assidue le jeudi. Vous êtes toujours aussi nombreux et sachez que nous sommes absolument ravis de continuer à partager ces entretiens avec vous et de vous faire rencontrer des conférenciers qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et vous avez pu le découvrir tout au long de ces semaines et je ne pense pas que vous soyez non plus déçus ce soir. Voilà, donc Bertrand, déjà, merci d'être là et je vais laisser Alain Noël donc vous présenter pour commencer. Eh bien, Bertrand, rebonjour. Marie-Thérèse, rebonjour. Donc, notre conférencier pour ce 9e entretien d'été est le docteur Bertrand Piccard, que vous connaissez certainement. Vous le connaissez certainement comme explorateur, entre guillemets, mais il est d'abord et avant tout médecin. Médecin et spécialisé en psychiatrie, et il a exercé cette discipline. Il a trouvé, aux côtés de son père Jacques et aux côtés des astronautes américains, le goût des activités sportives, des activités d'exploration. Il est devenu internationalement connu et célèbre par le tour du monde en ballon qu'il a réalisé en 1999 à bord du Breitling Orbiter 3. Et c'était une première mondiale assez extraordinaire. Ensuite, ce fut l'aventure de Solar Impulse, l'avion solaire, qui a réussi en 2016 le premier tour du monde sans une seule goutte de carburant. Il s'agit là bien sûr d'exploits sportifs, entre guillemets, mais ce n'était pas seulement l'amour du sport qui poussait Bertrand Piccard, c'était aussi l'idée de promouvoir une autre vision du futur de notre société. Et c'est dans cette optique qu'il a créé avec André Borschberg l'Alliance mondiale pour les technologies propres et la fondation Solar Impulse, dont vous avez les coordonnées sur le flyer que nous avons envoyé. Et dans cette optique, il a présenté, je pense que c'était à la COP22 à Marrakech, de manière un peu improvisée, l'idée de proposer 1000 solutions économiquement rentables pour protéger l'environnement. Je pense que le challenge a été réussi, car ce n'est pas 1000 solutions, mais aux dernières nouvelles, c'était plus de 1200 solutions que Bertrand Piccard et André Borschberg, avec l'Alliance mondiale, ont proposées aux décideurs politiques. Aujourd'hui, il est question de nous parler d'amour. Et je pense que vous découvrirez probablement une autre facette de la personnalité de Bertrand Piccard, qui est son goût, je pense, pour, on va dire, les philosophies orientales, et en particulier, j'ai cru comprendre, pour le taoïsme. Mais je le laisse vous parler de tout cela. Et je rends la parole à Marie-Thérèse pour présenter les modérateurs, qui sont en même temps les organisateurs cette fois-ci. Merci, Alain Noël. Alors, bon, pour présenter les modérateurs, ça va être vite fait, puisque ce soir, Alain Noël et moi-même serons les organisateurs et les modérateurs, exceptionnellement. Donc, je pense que vous nous connaissez, mais si jamais quelques-unes ou quelques-uns ne nous connaissaient pas, je vais tout simplement préciser que Alain Noël est chirurgien orthopédiste et qu'il a été grand maître de la Grande Loge de France. Je suis moi-même sage-femme et directrice d'établissement hospitalier et j'ai été grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Mais il est une chose importante que nous avons déjà eu l'occasion de préciser, c'est que lorsque nous sommes dans ces entretiens d'été, nous ne parlons en aucun cas au nom de nos obédiences, mais en notre nom personnel. Voilà, je pense que ça suffira comme présentation, vous nous avez assez vus comme cela. Et je rends donc la parole à Bertrand pour sa conférence. Alain Noël et moi, nous allons disparaître et nous reviendrons à la fin de la conférence. Bonne conférence, à tout à l'heure. Merci Marie-Thérèse, merci Alain Noël, bonsoir à tous et à toutes. Je dois vous avouer que j'ai accepté de faire cette conférence d'abord par curiosité, parce que de temps en temps, quand je donne des conférences publiques ou des conférences dans des entreprises, il y a des participants qui m'abordent et qui me demandent si je suis franc-maçon. Et je leur dis non, je ne suis pas franc-maçon. Je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment connaître ce mouvement, mais pourquoi est-ce que vous me posez la question? Et ils me répondent parce que ce que vous dites nous correspond. Donc, je me dis que je suis probablement
en territoire connu d'une certaine manière, même si je ne vous connais pas complètement. Et quand Marie-Thérèse et Alain Noël m'ont demandé de parler d'amour, là, je me suis dit, c'est une manière de réfléchir à ce thème, et je leur ai demandé, mais vous voulez que je parle de quel amour? Et en fait, cette question est devenue le titre de la conférence. Parce qu'il y a énormément de types d'amour différents. Et quand on dit l'amour, on est à peu près sûr de créer un malentendu. On est à peu près sûr de ne pas être au niveau de celui avec lequel on parle. Et la preuve de ça, c'est une discussion que j'ai trouvée extraordinaire, que j'ai entendue une fois à la radio. Un otage chrétien au Liban qui avait été tenu en captivité pendant plusieurs mois par un islamiste. Et peu à peu, ils ont quand même commencé à parler, et l'islamiste lui demande, mais toi, tu es chrétien, ta religion est basée sur quoi? Et l'otage lui répond, sur l'amour. Et l'islamiste lui dit, mais comment est-ce qu'une religion peut être basée sur quelque chose d'aussi inconsistant, d'aussi impermanent? On peut aimer quelque chose et ensuite on ne l'aime plus. On peut aimer quelqu'un et ne plus l'aimer. On peut aimer sa femme et ensuite se disputer et ne plus l'aimer. Donc en fait, toi, tu bases ta religion sur quelque chose qui n'a pas de fondement. Et ça m'a vraiment interloqué, cette discussion, parce qu'en fait, ça montre vraiment à quel point, quand on parle d'amour, on n'arrive pas à s'entendre. Et je crois que la première manière de parler d'amour, c'est en fait la projection. On aime quelque chose parce qu'on imagine que ça nous attire, on imagine qu'on va pouvoir avoir une relation intéressante, on imagine qu'on pourra avoir une relation amoureuse. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On projette sur l'autre ce qu'on aimerait qu'il soit, et pas forcément sur ce qu'il est lui-même. Donc on fabrique dans sa propre tête une image de l'autre, vue par nous-mêmes et pas du tout vue par l'autre, pas du tout comme il est en réalité. Et ça explique beaucoup de coups de foudre qui se dissipent au bout de quelques temps, beaucoup de relations passionnées, beaucoup d'amitiés également, parfois des relations professionnelles, où on est fasciné par un candidat qui postule pour un job, on se dit « ça, c'est la personne extraordinaire », parce qu'on l'affuble de toutes les qualités qu'on aimerait qu'il ait ou qu'elle ait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand le temps s'écoule? Eh bien, on se retrouve dans une situation où on commence à découvrir l'autre complètement autrement que ce qu'on l'a projeté. En fait, complètement autrement que ce qu'on l'a aimé. Et on est dans cette situation de déception, de désillusion, ou de manière désabusée, on croit que l'autre nous a trahis, nous a trompés, nous a menés en bateau, nous a caché son vrai visage, et on se dit, ça y est, j'ai été trahi, encore une fois, je ne sais pas comment faire pour aimer quelqu'un, encore une fois, je ne sais pas comment faire pour qu'une relation dure. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un type de relation dans laquelle 1 plus 1 égale 1. On a une personne, on a l'autre qu'on affuble des mêmes qualités que soi-même parce qu'on aimerait bien sûr que l'autre nous ressemble, mais finalement c'est une relation totalement stérile. C'est une relation dans laquelle on n'apprend rien, dans laquelle on peut être aussi nombreux qu'on veut, on n'aura jamais de créativité, on n'aura jamais de construction de quoi que ce soit, et finalement on termine en se disant il vaut mieux être seul parce que l'autre ne sert à rien. Et en tant que psychiatre, là je vous parle comme psychiatre plus que comme explorateur, mais en tant que psychiatre, je vois beaucoup de gens qui viennent consulter pour ça, en disant je ne sais pas comment créer une relation d'amour, une relation, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un d'autre sur du long terme. Alors c'est intéressant de passer, je pense, de cette équation du 1 plus 1 égale 1 à la recherche du 1 plus 1 égale 3. Le 1 plus 1 égale 3, c'est l'amour de la complémentarité. C'est l'amour de ce qu'on trouve en l'autre et qu'on n'a pas soi-même. Et ça, c'est un complètement autre niveau.
parce qu'on ne projette pas ce qu'on aimerait que l'autre soit, on est simplement en train d'observer, de prendre conscience de toutes les différences, de toutes les divergences. Et ça, c'est le type de relation que j'ai créée avec mes coéquipiers. Si on prend l'exemple d'Alain Borschberg, qui a été mentionné dans l'introduction par Alain Noël, dans le projet Solar Impulse, André Borschberg est exactement l'inverse de ce que je suis. Il est pilote de chasse et ingénieur. Moi, je suis pilote de ballon et psychiatre. On ne pouvait pas être plus différent. Ça veut dire que chaque fois que l'un disait quelque chose, l'autre disait l'inverse. Donc, on aurait pu faire le 1 plus 1 égale 0. C'est-à-dire que chacun détruit la créativité de l'autre. Mais ce qui était passionnant, c'était au contraire de s'arrêter dans le désaccord et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que tu penses autrement ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ton expérience à toi qui explique que tu sois exactement l'inverse de ce que moi je suis ? Et tout à coup, on commence à s'apprécier, on commence à s'aimer pour ce que chacun peut amener à l'autre, comme une autre expérience qui permet, en cumulant les expériences, d'en avoir trois. Il y a celle de l'autre, il y a celle de soi-même, et il y a cette troisième expérience qui est celle des deux ensemble, qui est une troisième expérience, et qu'aucun des deux n'aurait eu sans l'autre. Alors évidemment, parfois ça fait des frictions, parfois ça peut faire des conflits, mais ce qui est passionnant, c'est que chaque fois, on comprend que le but n'est pas d'être meilleur que l'autre, mais d'être meilleur que soi-même grâce à l'autre. Et là, je pense qu'on est déjà beaucoup plus dans une relation qui peut être qualifiée d'amour, que ce soit avec un coéquipier, un associé, un conjoint, un ami, un autre être humain, parce que on voit qu'ensemble, on construit quelque chose. On n'est plus dans la projection. On est dans le renforcement des différences parce qu'on se dit, chaque fois qu'on est différent, eh bien, ça va être une expérience supplémentaire et on va s'apporter quelque chose de plus. C'est une vision de l'amour et de la relation humaine qui me fait penser dans ce sens-là au taoïsme. Alain Noël en a parlé. Pourquoi dans le taoïsme ? Parce qu'en fait, si on regarde la base du taoïsme, c'est la tentative de résoudre la dualité. Et la dualité est à la base de l'entier de notre monde incarné, de notre monde matériel. Ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de religion ou quoi que ce soit. C'est juste une question d'observer dans le monde que tout ce qui est incarné dans la matière est forcément duel. Alors, les taoïstes parlent du yin et du yang. Mais il y a le bon et le mal. Il y a la lumière et l'obscurité. Il y a le haut et le bas, la gauche et la droite, l'amour et la haine. Et en fait, on peut faire ce qu'on veut dans ce monde. On n'arrivera jamais à avoir l'un sans l'autre. Alors, il y a des moments où on voit une nature merveilleuse. Et puis, quelques minutes après, ça peut être un tsunami qui fait 100 000 morts. On voit une forêt superbe, et en même temps, on sait que dans une autre forêt, il y a un incendie avec des villes entières, des campings détruits et des dizaines de morts. Donc, en fait, quoi qu'on veuille dans ce monde, qu'on veuille un monde en paix, qu'on veuille un monde de bonté, qu'on veuille un monde d'amour, eh bien, en fait, il y a une pièce avec deux faces. Et on ne pourra jamais avoir un monde qui est comme une pièce avec une seule face. Et à quoi sert le taoïsme ? Ou quelle est la base du taoïsme ? C'est d'essayer de réconcilier les extrêmes. C'est essayer de revenir à une unicité qui est préalable à la dualité de la matière. Comme si on arrivait, peut-être qu'on arrive, à faire un chemin spirituel, je dis bien spirituel et pas religieux, mais ça on en reparlera plus tard, un chemin spirituel, un chemin de travail, un chemin d'initiation, où les extrêmes peuvent être combinés de manière à retrouver cette unicité. Et là, on a le 1 plus 1 égale 3. On a le bien et le mal
qui se combinent pour donner peut-être une unicité supérieure où il n'y a plus ce bien et ce mal. Mais cette unicité, on ne la trouve pas dans le monde, on la trouve ailleurs. Et il y a dans le monde, par contre, des rituels, des sacrements, des symboles, des actes qui rappellent cette recherche de l'unicité. Et c'est intéressant de voir que dans le sacrement du mariage, on est exactement au cœur de cette notion taoïste, mais on croit que c'est un acte chrétien et on dit à la fin, l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Mais ça peut être décodé de manière complètement différente. C'est peut-être le yin et le yang. On ne dit plus maintenant le masculin et le féminin, parce que ça peut être deux masculins, ça peut être deux féminins, ça peut être tout ce qu'on veut, et c'est cette liberté de notre époque. Mais il y a toujours, quelle que soit la sexualité, un plus yin et un plus yang. Et ce yin et ce yang se retrouvent dans ce mariage, dans cette recherche d'unicité. Et pourquoi est-ce qu'on dit l'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni? C'est parce qu'une fois qu'on recrée l'unicité, eh bien, on ne veut surtout pas retomber dans ce que certaines religions appellent le péché originel, qui est l'incarnation dans la matière, qui est la perte de soi-même dans la dualité, qui est la souffrance, parce qu'il n'y a pas de bonheur sans souffrance, et on ne veut surtout pas revenir dans cet état-là. Donc, en fait, on essaye de recréer cette unicité, mais comme un symbole qui nous permet de cette manière-là, en nous, de résoudre ces extrêmes. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. On voit l'extrême de l'écologie et l'extrême de l'industrie. Et on se dit, les écologistes sont contre les industriels sont contre les écologistes. Et en fait, on est dans cette dualité. Où est-ce qu'on met de l'amour là-dedans? Où est-ce qu'on met de l'unicité? Eh bien, en regardant quel est le point commun entre les deux. Quelle est dans leur recherche la manière de concilier les deux? Comment est-ce que des recherches industrielles, techniques, peuvent donner des solutions pour protéger l'environnement? Et comment est-ce que les écologistes peuvent utiliser ces solutions industrielles pour protéger l'environnement et peut-être même stimuler l'industrie pour amener davantage de ces solutions techniques? Et plutôt que d'avoir un clivage gauche-droite, un clivage écologiste-industriel, on pourrait avoir un certain réalisme, on pourrait avoir une croissance économique qualitative, celle où on utiliserait les solutions techniques pour remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc on voit que si on veut mettre plus de paix, plus de sérénité, plus d'amour dans les relations, ce qui est fondamental, c'est de chercher ce qu'il y a dans l'extrême opposé qui peut servir au tout. Et moi, je me rappelle dans un de mes stages de psychiatrie, il y avait un praticien de Gestalt qui venait nous expliquer ce qu'il faisait comme type de thérapie et qui nous disait, en fait, pour résumer, ce que j'essaye de faire, c'est d'augmenter la quantité d'amour qui circule dans un groupe, dans une famille, dans un couple, où que ce soit. Augmenter la quantité d'amour circulant. Et ça m'a beaucoup frappé. Parce que je me suis dit, c'est pas du tout simplement aimer quelqu'un. C'est pas se dire on va aimer son prochain. C'est un terme que j'ai jamais vraiment compris. On aime son prochain, mais pourquoi est-ce qu'on aimerait son prochain? Son prochain, ça peut être un dictateur, ça peut être un gangster, ça peut être un criminel, ça peut être un pervers. Pourquoi est-ce qu'on aimerait quelqu'un sans le connaître? Mais par contre, augmenter la qualité d'amour circulant arrive à une autre notion qui pour moi est beaucoup plus proche de l'amour, du véritable amour, qui est la notion de compassion. Et la compassion, c'est quelque chose qui a fait son apparition, en tout cas il y a 2500 ans, avec Bouddha, dans le monde oriental, et qui est arrivé il y a 2000 ans, 2000 et quelques années,
dans le monde occidental, au point qu'on peut se demander si Jésus n'a pas été se former en Inde, parce que c'était la grande religion à la mode, le bouddhisme, avec cette notion de compassion, et que Jésus aurait ramené cette notion de compassion dans l'enrichissement de l'Ancien Testament. Parce que si on regarde vraiment l'Ancien Testament, ce n'est pas une religion d'amour, c'est une religion de peur, c'est une religion de règles, c'est une religion de contrôle. En fait, on demande au peuple de croire en Dieu et de respecter Dieu, parce que Dieu, s'il se fâche, sera très cruel. On établit des règles de société qui sont basées sur l'œil pour œil, dent pour dent, qui n'est pas du tout une relation d'amour. Et qu'est-ce qui arrive avec Jésus? Il arrive un changement de paradigme, un vrai changement de paradigme, dans lequel Jésus introduit cette notion qu'il faut comprendre l'autre. Comprendre l'autre, ce n'est pas simplement l'aimer inconditionnellement, c'est comprendre que l'autre est sur un chemin comme nous-mêmes, avec son fardeau, ses difficultés, ses peurs, ses souffrances, et qu'il essaye de s'en sortir le mieux possible, parfois mieux que nous, parfois moins bien que nous, en fonction des circonstances, pour essayer d'aller là où il aimerait aller, c'est-à-dire vers plus d'amour, vers plus de paix, vers plus de sérénité, vers plus de sagesse. Alors, je suis conscient que j'aborde ici des notions sur le christianisme, mais je n'aimerais pas les aborder sous l'angle de la religion et sous l'angle de la spiritualité, ce qui est pour moi complètement différent. Bouddha a amené un message. Mahomet a amené un message. Jésus a amené un message. D'autres initiés ont amené des messages, qui sont des messages spirituels, qui sont, si on remarque bien, extrêmement semblables les uns aux autres, les uns des autres, extrêmement semblables. Et ensuite, pour que ce message reste à l'esprit de la population, eh bien, il y a une religion qui se greffe sur ce message spirituel et qui commence à codifier ce message, la manière d'y croire, la manière de le propager, la manière de le comprendre, en y mettant des dogmes, en y mettant des rites, en y mettant toute une série de règles qui n'étaient pas du tout initialement prévues. La religion, à mon avis, je ne sais pas si je vais me faire énormément d'ennemis comme ça, je vais voir d'après le nombre de participants si tout à coup il y a un effondrement, mais pour moi, la religion est quelque chose d'humain. C'est la manière dont on gère un message divin ou un message transcendant ou un message spirituel avec des règles humaines. Ce qui veut dire qu'on va expliquer Dieu avec des mots humains. On va attribuer à Dieu l'amour. On va attribuer à Dieu la bonté. On va attribuer à Dieu la gloire au plus haut des cieux. Mais tout ça, c'est des mots humains. Et ce qui m'a toujours choqué dans la religion, c'est de décrire Dieu ou la transcendance avec des mots humains, comme si on était nous-mêmes au niveau de Dieu, ce qui est bien sûr impossible. Donc, si on décrit avec des mots humains, ça veut dire qu'on abaisse Dieu au niveau des hommes et on n'a plus de transcendance, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la recherche de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui nous sublime, de quelque chose qui peut recréer l'unicité. Alors, on se retrouve dans une religion, quelle qu'elle soit, qui décourage beaucoup, parce qu'avant même qu'on ait posé des questions, elle donne des réponses. Comment croire? Comment faire? Je me rappelle un fronton d'église aux États-Unis où c'était marqué « Notre Dieu est vivant, désolé pour le vôtre ». Et c'est ça qui crée finalement, non pas du tout de l'amour, mais de la haine, de la méfiance, des guerres de religion, l'inquisition, les persécutions, l'intolérance. Et on perd de cette manière-là énormément de gens, d'hommes, de femmes, d'enfants,
qui aspirent à quelque chose de bon et qui ne savent plus où aller le chercher. Alors que dans la spiritualité, on n'en est pas du tout là. Dans la spiritualité, on peut poser des questions, mais on n'a pas forcément de réponse. Dans la spiritualité, il y a une tolérance totale, parce qu'on est dans le 1 plus 1 égale 3. On est dans cette dualité qui recherche une unicité. On essaie de revenir au message originel d'un initié, d'un prophète, d'un sage qui amène un peu d'expérience ou qui amène beaucoup d'expérience. Et nous, on regarde et on essaye d'en prendre ce qu'on peut. À ce niveau-là, je reviens à cette notion de l'amour tel qu'on nous l'apprend dans la religion. Dieu nous aime. Ça veut dire quoi? Quand on est dans le deuil, quand on est handicapé, quand on a perdu des enfants dans un tsunami, Dieu nous aime. Puis on nous dit, en plus, la mort n'existe pas parce que Christ est ressuscité. C'est pour moi une description de l'amour qui écarte plutôt les gens de l'Église. Et quand on voit les fidèles de plus en plus restreints qui vont dans les églises, on peut se dire que probablement, ce n'est pas la meilleure manière d'expliquer ce qu'est l'amour. Et revenir à cette notion de dualité nous permet peut-être d'expliquer que le paradis terrestre, où tout le monde s'aime, où tout le monde est en bonne santé, où tout le monde se respecte dans une paix universelle, tant qu'on est incarné dans la dualité de la matière, ce n'est pas possible. Et les prophètes, les initiés, les messagers ne nous ont jamais dit de transformer notre vie terrestre en paradis terrestre. Au contraire, ils ont toujours dit que le paradis n'était pas dans ce monde, que le paradis est dans un monde transcendant, dans un monde qui nous sublime, dans un monde qui nous échappe, dans un monde supérieur. Et par conséquent, se dire, comme beaucoup de gens se disent, Dieu ne nous aime pas puisqu'il y a des catastrophes et des maladies, Dieu n'existe pas parce que s'il existait, il nous rendrait heureux puisqu'on dit qu'il nous aime. Dieu n'existe pas puisqu'il permet autant d'horreurs dans le monde, des camps de concentration, des génocides, des guerres, des innocents qui souffrent. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui le veut. À mon avis, c'est la situation dans la dualité qui le veut. Et à quoi sert la spiritualité? C'est essayer de nous en sortir. Mais honnêtement, est-ce qu'on essaierait de chercher l'amour? Est-ce qu'on essaierait de chercher la sagesse ou la bonté si on était dans un paradis terrestre et qu'il n'y avait que du bonheur? Je pense que non. Je pense qu'on resterait à notre niveau en se disant il y a tellement de belles choses ici qu'en fait on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Et il y a dans une chanson de Leonard Cohen une phrase qui m'a énormément frappé. C'est dans la chanson Suzanne. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain that only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. Jésus était un marin quand il a marché sur l'eau. Et quand il a compris qu'il n'y avait que des marins en train de se noyer qui étaient capables de le voir, il s'est dit que tous les hommes seraient des marins jusqu'à ce que la mer les libère. Et en fait, on est un peu dans cette situation-là. On est dans un monde de souffrance et peut-être qu'on trouvera la transcendance, peut-être qu'on trouvera l'unicité, peut-être qu'on trouvera l'aboutissement de notre recherche spirituelle, justement parce qu'on veut être libéré de cette souffrance. Alors, c'est une notion très bouddhiste, c'est une explication peut-être philosophique. La philosophie essaie d'expliquer avec des règles de conduite comment arriver à trouver le bonheur ou l'illumination.
la spiritualité, il rajoute cette notion de transcendance. Et je trouve très, très intéressant parce qu'on voit que l'être humain est soumis aux grandes lois de la physique. Et les lois de la physique, elles disent quoi? Elles disent qu'il y a un continuum entre la matière et l'énergie, la qualité énergétique. C'est-à-dire que plus la qualité énergétique est faible, c'est-à-dire plus la vibration est basse, plus on est dans la matière. Une pierre, ça vibre un peu au niveau énergétique, mais peu. Et plus on monte dans le monde subtil de l'énergie, moins on a de matérialité. On voit ça avec les gaz. Des gaz plus légers vont vibrer avec des fréquences beaucoup plus hautes. C'est pour ça qu'on met certains types de gaz dans des ampoules électriques, parce que ça permet de faire de la lumière, alors qu'avec d'autres gaz, on n'aurait pas de lumière. Et comme ça, on a ce continuum. Mais l'être humain, je pense, est un peu au milieu. Mais il a un choix. Il a le choix de descendre plus bas dans la matière, c'est-à-dire de faire le choix de la haine, de la violence, de la jalousie, de la revanche. Et plus il fait ce choix-là, plus il s'incarne profondément dans la matière, plus sa qualité vibratoire est faible. Ou alors il peut décider de chercher plus d'amour, plus de compassion, plus de bonté, plus de sagesse. Et là, la qualité vibratoire va augmenter. C'est-à-dire que c'est une manière, dans la spiritualité, je pense, de commencer à se dégager un peu de la matière. De plus en plus, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas, ça ne veut pas dire qu'on ne boit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des humains. Il y a des gens qui se sont dit « Ah, il y a des saints qui ont mangé des hosties pendant 3 ans et ils ont survécu, on va essayer. » Et bien, forcément, les humains qui ont fait ça sont morts parce qu'ils n'avaient pas le niveau de qualité énergétique supérieur pour le faire. Mais à partir du moment où on prend ce chemin de l'amour, de la compassion, de la bonté, de la sagesse, de la qualité vibratoire supérieure, eh bien, on voit que l'amour est un chemin. On voit que l'amour, ce n'est pas un état, ce n'est peut-être pas un sentiment non plus. Bien sûr, c'est aussi un sentiment. Bien sûr, c'est aussi une émotion. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est là, je pense, qu'on fait le lien entre la transcendance et l'amour. Et de dire que Dieu nous aime, ça ne suffit pas. Mais peut-être que de dire que nous aimons ce qui permet à l'être humain de s'élever, à ce moment-là, ça commence à donner un sens à la vie et ça commence à donner un sens à toute notre existence. Alors, j'aimerais terminer cette première partie, avant qu'on entre dans un moment de dialogue, avec une phrase de Confucius qui, pour moi, résume finalement tout ce que j'ai essayé de vous faire passer ici comme message. Confucius qui dit « Si par ton geste, ta parole ou ton regard, tu permets à un être humain de s'élever, alors tu fais un acte d'amour. » Et là, je pense qu'on peut voir que c'est un type d'amour différent des autres. Et je pense que c'est cet acte d'amour-là qui devrait nous guider, qui devrait nous motiver, qui devrait nous animer, qui devrait nous nourrir. Permettre aux autres de s'élever, permettre aux hommes de goûter à cette compassion, à cette bonté, à cette sagesse. C'est un geste pour l'autre, mais c'est un geste pour nous-mêmes aussi. Et quand on dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est peut-être aussi que le geste qu'on fait pour l'autre nous sert à nous aussi. Et qu'on ne peut pas élever les autres si on ne s'élève pas soi-même. Et que ce chemin, on peut le faire tous ensemble. Et si on considère qu'on le fait tous ensemble, ça crée une équipe, ça crée une immense équipe, ça crée une humanité. Et peut-être que dans cette humanité-là, la qualité, la quantité d'amour circulant peut être supérieure, peut nous nourrir et peut nous donner le goût d'autre chose. Je crois que ceux qui ont eu le goût
de la grâce, parce qu'ils ont reçu un moment de grâce dans leur vie, auront pendant toute leur existence l'envie de retrouver cette grâce. Et la retrouveront, peut-être parce qu'elle sera donnée une fois de plus, ou peut-être parce qu'on travaillera pour l'avoir. Ceux qui ont connu cet amour auront envie de le continuer. Ceux qui ont goûté à ce monde spirituel auront envie de l'approfondir, auront envie d'en faire profiter les autres. Et ça devient une aventure absolument extraordinaire. Je pense que la spiritualité, c'est la plus grande des aventures. Moi, j'ai aimé faire des tours du monde en ballon, en avion solaire. J'ai aimé faire de l'Delta, de l'acrobatie. J'ai adoré faire de l'hypnose. J'ai adoré faire de la psychothérapie. Mais finalement, cette quête de ce qui nous dépasse, cette quête de ce qui nous transcende, à mon avis, c'est quelque chose qui nous nourrit et peut-être donnerait beaucoup plus de but, beaucoup plus de passion à ceux qui ne savent pas où chercher dans un monde qui a jeté la spiritualité en même temps qu'il a jeté la religion. Quand on parle de laïcité, c'est par rapport à la religion sur la place publique. Ce n'est pas par rapport, ou ça ne devrait pas être, par rapport à la spiritualité. Donc, jeter le bébé avec l'eau du bain nous met aujourd'hui dans un monde qui a perdu ses racines authentiques, qui a perdu les messages originels, qui crée beaucoup de dépressifs, beaucoup d'anxieux, beaucoup de phobiques, beaucoup de gens qui ont perdu le goût à la vie. Et je pense qu'il est urgent aujourd'hui de remettre cette quête spirituelle, et je précise encore, non pas religieuse, mais spirituelle, dans tous les actes de la vie de tous les jours. Et là, il y a une magnifique citation de Mikhaïl Ivanov, qui est un grand sage bulgare qui a enseigné en Europe jusqu'à il y a une trentaine d'années, et qui disait « La spiritualité consiste à rendre conscient les gestes de la vie de tous les jours afin d'y insuffler l'esprit. » Afin d'y insuffler l'esprit. Alors essayons, nous, à notre niveau, tous, d'insuffler un peu plus d'esprit, parce que je pense que c'est par l'esprit que l'amour peut se développer. Merci, merci Bertrand pour cette conférence qui suscite déjà de nombreuses questions, bien évidemment. Alors je voudrais, pour commencer, parler d'un peu autre chose, mais sans être vraiment autre chose. En effet, dans un de vos livres qui s'intitule « Changer d'altitude », vous parlez d'une notion que vous avez appelée l'écomanité. Alors, c'est un mot qui n'est absolument pas dans le dictionnaire. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Vous le dites dans votre livre, mais j'ai quand même vérifié. Je n'ai rien trouvé. Et je pense que ce serait intéressant que peut-être, si vous le voulez bien, vous complétiez ce que vous venez de dire par cette notion que vous développez d'écomanité, parce qu'il me semble qu'elle est encore plus large que tout ce que vous avez dit et qu'elle les inclut toutes, y compris, je dirais, la spiritualité, mais en rajoutant d'autres paramètres. Vous voulez bien nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Je suis parti de cette observation de la dualité, mais du clivage. Ce clivage dans lequel on est, où il y a les écologistes, où il y a les économistes, où il y a les politiques, où il y a ceux qui sont des sages, qui recherchent la spiritualité. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de créer un terme pour montrer que tout ça était compatible et qu'on peut être en même temps écologiste dans le sens où on veut protéger l'environnement, en même temps un économiste, parce que si l'écologie ne permet pas de développer l'économie, le monde politique et industriel ne va jamais s'en emparer et on va stagner comme on a stagné jusqu'à maintenant. Et on doit mettre ce côté humaniste en plus, parce qu'on doit se rappeler à quoi on sert, où on va, d'où on vient, et rajouter cette notion de transcendance à tout ce qu'on fait. Donc c'est vrai que ce terme d'écomanité, quand il m'est venu à l'esprit en écrivant mon livre « Changer d'altitude », je l'ai écrit. Bon, j'écris tout à la main d'abord.
Mais quand ensuite j'ai remis le texte sur ordinateur, ben, ça a souligné en rouge et j'ai cliqué dessus. C'était marqué, il n'y avait aucune proposition de correction. C'était juste marqué « ajouter au dictionnaire ». J'ai dit oui et j'ai ajouté au dictionnaire en me disant « tiens, j'ai créé un nouveau mot ». Et ça reflète vraiment cette recherche d'unicité entre toutes les dualités, tous les clivages, pour essayer d'en faire quelque chose qui permette d'avancer dans un monde qui, pour moi aujourd'hui, stagne et n'avance pas du tout comme il devrait. J'espère que nous nous souviendrons de ce terme et que tous ceux qui nous écoutent s'en souviendront, vont le mettre dans leur vocabulaire et vont le travailler, parce qu'à mon sens, il recouvre plein de notions et je ne suis pas surprise du tout qu'on ait pensé que vous étiez franc-maçon, pour tout vous dire. Alain Noël. Peut-être une autre question sur un autre plan. D'abord, je pense que tous les auditeurs ont dû être frappés par la qualité et la tonalité de la conférence. Peut-être pensait-il qu'il allait s'agir d'une conférence scientifique, technique, racontant des explorations autour du monde. Et en fait, Bertrand Piccard nous a montré ce qu'il appelait dans un de ses livres « être disruptif », parler d'autres choses en parlant de ses expériences. Et je pense qu'il nous a parlé de la spiritualité, probablement à travers toutes les expériences scientifiques ou d'exploration qu'il a vécues. La question qui me vient à l'esprit, c'est dans une démarche de type spiritualité, de recherche de l'unité, du 1 plus 1 égale 3, comment peut-on, en pratique, dans les problèmes du monde actuel, la mettre en œuvre? À quel niveau? Au niveau, je dirais, au niveau économique et écologique, j'ai bien compris, j'ai bien lu les livres, mais au niveau de la société politique, de la société générale, de la société dans laquelle on vit habituellement, dans une société où on a des problèmes de meurtre, de vol, etc., comment peut-on instiller une démarche de spiritualité dans tous les problèmes de la vie quotidienne? Je pense que ce qui est fondamental, c'est la partie de la compréhension. Comprendre que l'autre est différent, comprendre que l'autre a des besoins différents, il vient d'un autre passé, d'un autre type de famille, d'une autre manière de penser, et que ce n'est pas parce que nous pensons d'une certaine façon que nous avons raison. C'est peut-être l'autre qui a raison. Et par conséquent, entrer en contact avec l'autre, lui permettre d'exprimer sa différence, lui permettre d'exprimer sa souffrance et que nous soyons capables de la recevoir, je pense que ça, c'est un acte d'amour, pour revenir au terme de cette conférence. C'est un type d'amour qui est fondamental. Ce n'est pas un amour sexuel, ce n'est pas un amour charnel. C'est un amour de compréhension et de compassion. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, d'appliquer ça partout. Et notre monde politique aujourd'hui ne le fait pas. Ne le fait pas. Aujourd'hui, si on veut aider les gens à être moins pauvres, on va critiquer les riches en disant « c'est à cause des riches qu'il y a des pauvres ». Si on veut soutenir les riches, on dira « oui, mais alors les pauvres, ils abusent leur situation pour se faire aider ». Et on renforce la haine à l'intérieur de la société. Plutôt que de comprendre que c'est en réconciliant les extrêmes qu'on créera plus de richesses dans la société et qu'on aura moins de pauvreté, par exemple. Mais c'est cette recherche c'est cette manière de moins entrer dans le conflit, de moins entrer dans le rejet, pour entrer davantage dans cette recherche de bonté et de sagesse. Je pense que dans la bonté, il y a cette qualité d'amour. C'est à tout moment. Et c'est intéressant parce que quand on voit dans les nouvelles qu'il y a un bateau de réfugiés qui s'est retourné et puis qu'il y a 50 morts, c'est 50 morts de gens qu'on ne connaît pas. Et puis tout à coup, il y a un cadavre qui vient s'échouer sur la plage et ça fait la une de tous les médias parce que tout à coup, c'est un être humain. Et tout à coup, on se dit, mais tiens, ça, c'est un être humain qui souffrait dans son pays, qui a pris des risques inconsidérés pour arriver dans un continent de liberté.
Il a été aidé par toute sa famille qui a mis toutes ses économies pour payer des passeurs. Et à quelques kilomètres du rivage, il se noie et il arrive sur la plage. Mais l'acte d'amour, c'est de comprendre ça. C'est pas de se dire on s'en fout. C'est voir qu'il y a un être humain dans chaque personne en face ou à côté de nous et que cet être humain essaye de faire le mieux possible avec ce qu'il est. Et parfois, il n'a pas grand-chose pour faire bien. Et nous, notre rôle, c'est peut-être de l'aider. Alors, quelques questions, donc, elles sont déjà nombreuses, de tous ceux qui vous ont non seulement entendu, mais écouté, je pense. L'un d'entre eux pose la question, l'amour n'est-il pas égoïste ? En fait, lorsqu'on aime, on se fait surtout plaisir. Alors, dans le type d'amour du 1 plus 1 égale 1, oui, c'est vrai, on projette sur l'autre ce qu'on aimerait qu'il soit, même s'il n'est pas du tout comme ça, et on va aimer cette partie-là de l'autre parce qu'elle nous fait plaisir à nous. Mais ça, c'est l'élan amoureux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à établir des relations amoureuses à long terme. Enfin, c'est comme le feu de brindille. Vous mettez des branches de sapin sec dans la cheminée, vous allumez, c'est fantastique la flamme que ça fait. Vous dites, oh, merveilleux, l'amour c'est superbe. Mais si vous ne mettez pas des bûches, ben le feu de paille, c'est un feu de paille, il n'y a plus rien après. Les brindilles ont brûlé, il reste des petites cendres, puis il ne reste même plus de braise. Et à ce moment-là, on se dit, ah ben l'autre, il n'est pas bien. Ah, il ne me satisfait pas, ah, il ne me convient pas. Donc on change. Alors que si on met des bûches, ça devient un feu. Mais mettre des bûches, c'est quoi ? Ben, c'est voir que l'autre, eh ben, il a une identité. C'est une personne. Et que la seule manière d'établir une vraie relation qui dure, eh ben, c'est dans le respect. C'est dans le fait d'aimer les différences. Parce que les différences, c'est ce qu'on n'a pas soi-même. Donc, c'est un échange extraordinaire d'être avec quelqu'un de différent. Parce qu'ensemble, on est complet. Et de laisser à l'autre sa liberté. Forcément. C'était oui. Aussi une des questions, mais du coup, en même temps, vous donnez la réponse. Oui. Alors, quelqu'un a écrit « Le contraire de l'amour est la haine. Et l'amour est-il donc le bon terme pour désigner l'unicité ?» L'amour n'est qu'une partie, ce n'est pas l'unicité, l'amour. Et je pense personnellement que l'inverse, le contraire de l'amour, ce n'est pas du tout la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Aimer ou ne pas aimer. Parce que finalement, la haine, c'est quoi ? La haine, c'est quand on reproche à l'autre de ne pas nous aimer. C'est qu'on aimerait être aimé, mais qu'on n'est pas aimé, donc on va le haïr. Donc, c'est une partie de l'amour. Je pense que c'est pour ça que l'amour en tant que tel, c'est pas l'unicité, parce que l'amour est avec de l'indifférence, est avec de la haine, est avec du rejet, est avec de l'incompréhension. Et puis l'amour, on en revient au titre de la conférence que je vous ai proposée. Quel amour, point d'interrogation ? L'amour en général est une partie de la dualité. On aime, on n'aime pas. Par contre, dans la transcendance, on n'a plus cette dualité. J'imagine. Moi, je n'ai pas eu l'illumination cosmique. Je n'ai pas eu l'illumination du taoïste, mais tout ce chemin de recherche d'unicité est une manière de diminuer ce clivage, de diminuer ces opposés. Et je pense qu'il y a un moment où la question ne se pose plus, parce qu'on est juste dans l'état qui est juste de sagesse, de respect, de compassion, où finalement, on est au-dessus de tout ça. J'espère. Est-ce qu'on ne se trouve pas là, à ce moment-là, dans l'amour inconditionnel tel qu'il est évoqué dans le bouddhisme ? Est-ce que ce n'est pas ça, l'amour inconditionnel du bouddhisme ? Je pense, mais finalement, dans le christianisme, il y a aussi cette notion d'amour inconditionnel et de compassion. Je pense que dans beaucoup d'autres religions également, mais pour y arriver, ce n'est pas simplement qu'on enlève toute une partie de la réalité pour ne garder que l'amour qui nous arrange.
Je pense personnellement que si on recherche un monde terrestre dans lequel il n'y a que de l'amour, de la bonté et de la sagesse, on va être très déçu. Parce que le monde, ce n'est pas ça. On ne va pas changer les lois de la physique. Par contre, peut-être que si on développe sa qualité vibratoire, sa qualité énergétique, qu'on transcende ce monde de dualité, peut-être qu'à ce moment-là, j'espère qu'on arrive à un autre niveau. Mais en fait, c'est le niveau dont parlent tous les initiés. C'est le niveau dont parlent tous les prophètes. Et c'est bien l'objet de la quête. Et c'est l'objet de la quête. Y compris en maçonnerie. Et si on était sûr de ça, eh ben, ce ne serait plus un mystère, ce ne serait plus une quête. C'est qu'on serait tous peut-être arrivés là où on doit aller, qu'on a tous trouvé. Espérons qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est pas dans le cas dans ce monde. Alain Noël, tu as des questions ? Quelques petites questions. D'abord, une question qui est apparemment très sibylline de Bernard concernant le miracle de la marche sur la mer. Est-ce que le miracle, c'est de marcher sur l'eau ou est-ce que ce ne serait pas plutôt de marcher sur la terre qui est si belle ? Alors, se sentir marcher, ce serait miraculeux, c'est-à-dire avoir la conscience de marcher. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de compassion, pas beaucoup de sagesse, mais il n'y a pas beaucoup de conscience. La notion de conscience, elle est fondamentale. Être conscient qu'on vit, qu'on existe à l'intérieur de soi, dans l'instant présent, et que ce moment présent, on peut le transporter avec soi à travers le temps. Et si on arrive à marcher sur Terre comme ça, eh bien, je pense qu'on se comportera mieux. On se comportera mieux avec les autres, on se comportera mieux avec soi-même. Et l'amour deviendra peut-être une évidence de cette conscience qu'on peut peut-être développer. Et moi, ce qui me plaît avec la notion de conscience, c'est que c'est quelque chose qui peut s'exercer. Alors vous me direz, l'amour, ça peut aussi s'exercer. Mais la compassion, ça peut s'exercer, le respect aussi. Mais la conscience, c'est quelque chose qui peut s'exercer encore plus. Parce que dans tous les gestes, c'est ce que dit Ivanov, être conscient de tous les gestes de la vie de tous les jours pour y insuffler l'esprit. Je trouve magnifique être conscient qu'on bouge, qu'on pense, qu'on vit, qu'on est en relation avec les autres, toute cette conscience-là. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir développer et qui contient le germe de l'amour universel ou inconditionnel. Alors, une question qui est plutôt sur presque le versant religieux, entre guillemets. Vous avez parlé de recevoir une grâce. Voilà. J'ai compris que c'était une grâce avec un grand G. Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir besoin d'une grâce pour réaliser que nous ne sommes pas seulement un ego? Et est-ce que sans cette grâce, est-il possible d'avoir du discernement malgré tout? Alors, je pense que ça dépend beaucoup de la définition qu'on a de la grâce. Pour moi, la grâce, ce n'est pas du tout quelque chose de religieux. Pour moi, la grâce, c'est quelque chose de purement spirituel. C'est un moment où tout à coup, on entre dans un état qui est un état de bienveillance, d'amour, d'épanouissement, d'illumination, de compréhension, etc. Je pense que c'est des moments que tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie. Et il y a ce grand débat entre les jansénistes et les jésuites pour savoir si la grâce est quelque chose qu'on reçoit, qui qu'on soit et quoi qu'on ait fait dans sa vie, ou si c'est quelque chose qu'on doit conquérir. Mais je pense que c'est un peu les deux. Là aussi, pourquoi est-ce qu'on clive? Moi, je pense que la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit comme un avant-goût d'un monde supérieur, d'un monde transcendant. Et si on a vraiment eu cet avant-goût, ben on va peut-être essayer de le rechercher. Et en le recherchant, on entre dans une quête spirituelle, dans une quête de conscience, dans une quête de sagesse, de bonté, d'amour, etc., pour développer en soi. Et par conséquent, je pense que c'est donné comme un avant-goût, mais ensuite, ça doit être acquis, ça doit être conquis, ça doit être développé. Et ce n'est pas une notion religieuse. La religion a
la religion a dogmatisé ou ritualisé. Quand c'est dogmatisé, je pense que ça ferme. Quand c'est ritualisé, je pense que c'est intéressant. Parce que le rituel, c'est la clé qu'on met dans une serrure pour ouvrir la porte de l'état de grâce. Et si vous remarquez, bon, on va entrer là, alors je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas choquer trop de monde avec ce que je vais dire là, mais la communion, l'Eucharistie, c'est un moment de grâce vécu par Jésus et ses disciples parce qu'ils savaient que c'était le dernier dîner où ils étaient ensemble. Et Jésus a fait un rituel. Il a dit, prenez du vin, prenez du pain et faites cela en mémoire de moi. C'est ça la plus belle phrase. Faites cela en mémoire de moi. Et c'est devenu une clé pour les disciples pour revenir dans l'état de grâce de la proximité avec Jésus alors que Jésus avait disparu. Et ensuite, ça a été ritualisé par l'Église pour essayer de permettre à tous ceux qui communient de vivre un petit peu de cet état de grâce que les disciples avaient vécu. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que c'est comme une manière de se rappeler à travers le temps qu'on peut reproduire un état de grâce, qu'on peut le revivre. Ce qui est dommage, c'est que dans la religion, on l'explique pas. Alors, on met des cases et puis on dit exactement aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent sentir, ce qu'est le pain, ce qu'est le vin, etc. Ça devient une question de foi. Donc, on va se tuer. Si on n'a pas la même foi, les protestants et les catholiques se sont exterminés pendant des centaines d'années à cause de ça, au lieu de se dire, mais c'est des manières différentes de ritualiser, mais le but est de retrouver un état de grâce, quelle que soit la manière dont on y croit. Et par conséquent, je crois que l'état de grâce, pour revenir à la question du début, c'est quelque chose de spirituel et pas quelque chose de religieux. Est-ce que ça n'est pas une espèce d'harmonie qui se crée pour un individu, quand il se sent en harmonie globalement avec tous ceux qui l'entourent dans un paysage, devant quelque chose, dans un état quel qu'il soit, où tout est harmonie avec celui qui vit cela, ça c'est un instant de grâce, peut-être que ça va durer quelques secondes, quelques minutes, j'en sais rien, mais il me semble qu'on peut dire que c'est un état de grâce, enfin, je pense que vous en êtes d'accord. Tout à fait. Alors, je fais le lien. Vous savez, on travaille beaucoup en hypnose sur la manière de recréer en soi ce qu'on appelle techniquement la safe place, mais qui est en fait un moment de grâce. Quel est le moment de grâce? Quel est le moment de conscience qu'on a vécu de notre vie et dans lequel on peut retourner pour se sentir en sécurité et en plein confort? Et on travaille avec de l'hypnose pour ça, pour le redévelopper. Mais c'est une manière d'y arriver. Je pense que l'hypnose est la thérapie qui se rapproche le plus de la spiritualité. Alors, je voulais rebondir sur une question. Excuse-moi, Alain Noël, je vois que tu voulais poser une question. Mais oui. Parce qu'il y a une question qui est posée par Annie qui dit… Pensez-vous que la méthode maçonnique avec l'initiation, l'accompagnement par le groupe et l'enseignement par étapes successives puisse réellement contribuer à l'acquisition d'un niveau supérieur de spiritualité? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça dans la mesure où votre approche de la maçonnerie est un peu, je dirais, extérieure, même si à travers ce que vous dites, la quête qu'on peut vivre en maçonnerie est tout à fait semblable à celle que vous dépeignez. Mais j'ai envie, si vous le permettez, de répondre à cette sœur, parce que j'imagine que c'est une sœur, je ne sais pas, pour lui dire bien sûr que la voie maçonnique peut conduire, la quête maçonnique peut conduire à ce niveau supérieur de spiritualité, bien évidemment à condition d'entrer dedans, et parce que là aussi il y a des rituels, des modes de fonctionnement, etc., où on peut retrouver tout ce que vous nous avez brillamment exposé. La voie maçonnique, c'est aussi ça. Vous voyez pourquoi les frères et les sœurs qui vous entendent font le lien en disant « Ah, mais il est franc-maçon ». Oui. ma manière de répondre à cette question sans être franc-maçon, c'est de penser qu'une initiation avec un accompagnement est quelque chose de fondamental. Mais maintenant, la question, c'est à quoi est-ce qu'on est initié et comment est-ce qu'on est accompagné? Et je pense que
cette question-là, elle est absolument fondamentale. Et c'est ça qui permet de définir si une voie est une vraie voie initiatique, si c'est une secte où on dit aux gens quoi penser. Et depuis que je discute avec vous, Marie-Thérèse et Alain Noël, je pense que le mouvement maçonnique est un mouvement hautement intéressant et j'ai bien envie de m'y pencher un peu plus. Pour tous ceux qui nous écoutent, nous avons eu de larges discussions avant cet entretien, bien évidemment. Alain Noël. Oui, il y a une question qui est apparue sur la notion de perfectibilité. Vous avez dit que la conscience peut s'exercer. Et la question, c'est est-ce que la conscience est perfectible ? Est-ce qu'elle est à la fois connaissance et exercice de sa responsabilité en tant qu'être humain ? Conscience s'exerçant, mais conscience perfectible. Bon, je pense que la conscience est totalement perfectible. Elle va du fait de prendre conscience qu'on a une émotion, de prendre conscience qu'on a un sentiment, de prendre conscience qu'on fait un mouvement. Parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients des sentiments, des émotions, des mouvements qu'ils ont. Ils sont totalement automatisés et ils ne réfléchissent pas à ça, ils n'ont pas la conscience de ça. C'est une conscience qui s'acquiert peu à peu. Et je pense que ça finit à la conscience cosmique où on a la conscience de comment fonctionne le monde, de comment fonctionne l'univers. Et ça, c'est un niveau de conscience, d'initiation et d'illumination qui est un totalement autre niveau que celui dans lequel nous sommes et qui nécessite une ou de nombreuses vies de recherche, d'assiduité, de concentration, etc. Bouddha, pour avoir son illumination, est quand même resté assis 20 ans au pied d'un arbre. Je pense que nous, quand on reste 10 minutes à méditer le matin, on est encore assez loin de 20 ans sans se lever au pied d'un arbre. Alors, il y a une question de quelqu'un qui s'interroge et qui dit « Comment pouvez-vous mettre sur le même plan Bouddha, Jésus, d'autres grands initiés avec Mahomet, qui était un chef de guerre violent ?» Parce que je pense que Mahomet a aussi eu un message spirituel. Je pense qu'il n'y a pas que les grands leaders de nos religions qui sont des initiés ou des messagers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont amené des messages qui étaient par moments importants dans certaines époques. Je pense que Jésus, quand il détruit les échoppes des marchands du temple, fait un acte violent, mais qui était fondamentalement important à ce moment-là. Je ne sais pas à quel point Mahomet lui-même était violent, mais il a quand même amené un message d'initiation intérieure, de combat intérieur. Hein. On dit que le djihad, à l'origine, est un combat intérieur contre ses propres démons, contre ses propres pulsions. Je pense qu'il y a dans toutes les autres religions aussi des initiés qui ne sont pas connus, qui sont arrivés. Krishnamurti, c'est intéressant l'histoire de Krishnamurti. C'est un jeune Indien qui est repéré par la société théosophique du début du XXe siècle en Angleterre, qui pense que c'est la réincarnation de Jésus, qui l'élève comme s'il était le nouveau Jésus-Christ. Et Krishnamurti qui dit « Moi, je ne suis pas du tout la réincarnation de Jésus. Moi, je suis un chercheur. Je suis quelqu'un qui cherche la sagesse. » Et il s'est séparé de tous ceux qui l'entouraient, de toute sa cour, pour lancer un mouvement de conscience, de recherche, etc., et de sagesse, d'amour. C'était un grand maître. C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais il y a peu de gens qui le connaissent. Et je pense que tous ces gens touchent, tous ces gens, tous ces esprits, tous ces êtres de lumière touchent certaines personnes à certains moments et les éveillent, éveillent leur conscience, éveillent leur recherche. Je pense que Mahomet a éveillé la recherche de beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'on peut confondre le terrorisme actuel avec le message originel de Mahomet. Je pense que si on va un peu plus loin
de cette notion-là, c'est intéressant de voir que l'islam a 622 ans de moins que le christianisme. 622 ans de moins, c'est 622 l'égire. Eh bien, il y a 622 ans, que faisait le christianisme? Il y a 622 ans, on était dans les guerres de religion, dans l'inquisition, dans les tortures des hérétiques, dans les croisades. On essayait d'exterminer tous ceux qui ne pensaient pas comme nous. Donc, c'est intéressant de voir que ce que la religion fait du message originel est parfois assez désespérant. Alain Noël. Une question sur, qui revient un peu sur le monde dans lequel nous vivons, qui fait référence à Condorcet, qui disait que dans son traité de l'éducation, il disait que le professeur a pour rôle d'aider l'enfant à s'élever, donc à se perfectionner, en l'affranchissant de ses préjugés. Est-ce que dans cette optique, le professeur qui élève un enfant, est-ce que c'est un acte d'amour parce qu'il élève aussi sa spiritualité? Ah oui, si le but est d'élever un enfant, de l'élever spirituellement, c'est un acte d'amour. On retrouve cette phrase de Confucius que j'aime tellement. Aider quelqu'un à s'élever, c'est un acte d'amour. Mais le problème, c'est que il n'y a pas tous les enseignants et même pas tous les parents qui sont comme ça. Quand on dit qu'on doit inculquer des choses aux enfants, inculquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire entrer à coups de talon. C'est pas un acte d'amour, ça. Alors, est-ce que je peux poser une question tout à fait personnelle? Vous avez dit tout à l'heure que le paradis terrestre était impossible à atteindre dans la dualité de la matière et que la quête initiatique, c'est au fond d'aboutir à un paradis, à un monde transcendant. Est-ce que pour ceux qui ne croient pas qu'il existe un monde transcendant, est-ce que la simple quête de rechercher un monde transcendant ne pourrait pas suffire? Est-ce que la simple quête de quoi? D'un monde simple quête de rechercher quelque chose qui serait transcendant, en sachant que cela n'existe pas, donc il n'y a pas de paradis en dehors de la vie terrestre, est-ce que cela ne pourrait pas suffire comme quête initiale? Moi, je ne sais pas s'il y a un paradis en dehors de la vie terrestre. Et quand on dit que Dieu nous aime et que la mort n'existe pas et qu'on renaît à un paradis merveilleux après être mort, j'en sais rien. Moi, ce n'est pas ça que j'appelle la recherche d'unicité. C'est pas ça que j'appelle la quête spirituelle ou la transcendance. Et la transcendance, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut prouver, mais c'est quelque chose qui se manifeste quand même suffisamment souvent pour que on puisse en avoir un avant-goût. Moi, j'ai l'impression que on vit dans un monde avec du brouillard. Et on ne voit ni le ciel ni les montagnes. Et puis de temps en temps, le brouillard se dissipe, on voit des cimes enneigées, un ciel bleu, on se dit c'est magnifique, et ensuite ça se recouvre. Et il y a des moments dans la vie où tout à coup ça se découvre, on voit tout ça et ça se recouvre. Je pense que d'autant plus chez des membres de votre collège maçonnique, il doit y avoir des gens qui cherchent ça, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi ils seraient dans cette recherche. Alors, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vécu beaucoup de ces moments, qui les oublient, qui les interprètent de manière fausse, et qui se disent, il n'y a pas de transcendance. Et puis, il y a des gens qui se disent, moi, je ne crois pas en Dieu, donc il n'y a pas de transcendance. Mais la transcendance n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des gens qui se disent, je suis athée, donc il n'y a pas de transcendance. Mais ce n'est pas une question de croire à un Dieu ou de ne pas croire à un Dieu. La transcendance, c'est quand tout à coup on voit qu'il y a un monde plus subtil, plus vaste que celui dans lequel on vit. Et là, il y a des indices qui sont extraordinaires pour ça, indépendamment des moments de grâce. Il y a toutes les synchronicités. Les synchronicités, c'est instants où deux événements arrivent en même temps sans lien causal et ça donne un sens. Jung en a beaucoup parlé. C'est extraordinaire de voir qu'il y a des moments où il n'y a pas de causalité entre deux choses, mais que deux choses arrivent ensemble pour donner un sens. Comme s'il y avait en fait une organisation plus grande que celle dans laquelle on vit et tout à coup on l'aperçoit.
Et tout à coup, on voit qu'il y a une logique. Tout à coup, on voit qu'il y a des règles différentes. Tout à coup, on voit qu'il y a, il y a un système différent. Et ça, ça doit ou bien nous faire peur, on se dit « Ouh là là, je ne veux pas voir ça », et puis on se retire dans, dans son monde matériel. Ou alors on se dit « C'est quand même curieux, il doit y avoir quelque chose, essayons de chercher ». Puis alors on va chez les Rose-Croix, on va chez les francs-maçons, on va dans un ashram hindou, on va dans un monastère bouddhiste, on devient moine d'une religion chrétienne, d'une autre religion, etc. Parce qu'on veut chercher. Je me permets de rajouter à la question d'Alain Noël une petite réponse, si vous le permettez. Je dirais que dire « je ne crois pas à la transcendance, mais je la cherche quand même », c'est quand même être habité par quelque chose de l'ordre de l'espérance qui fait penser que peut-être bien on va trouver une transcendance quelque part. Oui. Sinon, on ne la chercherait pas du tout. Ben oui. Moi, j'ai entendu, je me demande si ce n'était pas Gurdjieff qui disait ça. Gurdjieff qui disait, on prie pour demander à Dieu que deux et deux ne fassent pas quatre. Et en fait, prier, c'est autre chose. Prier, ce n'est pas essayer de faire que les lois de la physique soient différentes, les lois de la spiritualité soient différentes. Prier, c'est peut-être essayer de se mettre dans une qualité vibratoire qui nous élève, et pas forcément religieuse. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé la phrase d'un athée qui disait, vous savez, vous autres, religieux, chrétiens, musulmans, juifs, etc., vous êtes gentils avec les autres uniquement pour avoir la vie éternelle. Donc, en fait, c'est complètement égoïste, votre bonté. Moi, je ne crois pas à la vie éternelle en tant qu'athée. Et par conséquent, si je fais du bien, c'est uniquement pour faire du bien à l'autre. C'est pas du tout pour que ça me ramène la vie éternelle. Et je trouve magnifique ce changement de paradigme où finalement, c'est l'athée qui a le plus de compassion et qui a le plus de bonté. Parce que c'est désintéressé, c'est pas du tout égoïste. Alors, un de nos auditeurs écrivait que pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et je crois que ça a sous-tendu un peu tout votre discours, mais peut-être qu'il est bon encore de le redire. Effectivement, si on ne s'aime pas soi-même, on est quand même en grande difficulté pour pouvoir entrer en relation et aimer les autres. Je suis d'accord. Mais alors là aussi, quel amour ? Est-ce qu'on s'aime parce qu'on se met devant sa glace en se disant « je suis magnifique » est-ce qu'on s'aime en voulant imposer sa volonté aux autres parce qu'on se dit « moi j'aime tellement tout ce que je fais, tout ce que je pense que les autres doivent le faire aussi » ou bien est-ce qu'on s'aime dans le sens où on se respecte, qu'on s'accepte, qu'on sait qu'on est sur un chemin avec nos qualités et nos défauts, on en prend conscience, on a notre passé, on a nos traumatismes et puis tout ça, eh ben, on apprend à le respecter et à l'aimer en se disant « ça fait partie de moi ». Et si c'est ça l'amour, à ce moment-là, on peut aimer les autres beaucoup mieux parce qu'on s'aime soi-même de manière authentique et véritable. Mais on accepte, je pense qu'il y a une question d'acceptation de l'autre tel qu'il soit pour qu'on puisse l'aimer. Moi, j'ai eu un moment très, très curieux. Je faisais une expertise psychiatrique pour un criminel pédophile. Et à un moment donné, j'ai senti cette compassion me disant « ce type-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait. » Avec la vie qu'il avait, en fait, il avait une psychose infantile. Donc, il était resté dans le niveau de développement psycho-affectif d'un enfant. Donc, l'adulte lui faisait peur. L'adulte, c'était comme ses parents, même s'il était adulte lui-même, enfin, soi-disant adulte. Et il a eu une relation pas violente, hein, mais qui a justifié de la prison parce que c'était une relation avec un enfant, mais c'était sur le niveau psycho-affectif le seul être qui lui correspondait. Alors, c'est interdit, c'est puni, etc. Mais c'est intéressant d'avoir un moment de compassion pour quelqu'un comme ça où tout à coup, on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais on comprend pourquoi il l'a fait. Et ça, c'est des moments très, très forts, très, très forts. De comprendre que les gens ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait
en raison du passé qu'ils ont eu. Mais par contre, ils ont la liberté et la responsabilité de changer, d'évoluer, de faire autrement. Et c'est ce libre arbitre-là qu'il faut encourager chez les gens. Et c'est ça que, en fait, que j'aborde beaucoup dans mon livre « Changer d'altitude » que Alain Noël a la gentillesse de mentionner. C'est le fait qu'on est à une certaine altitude dans notre vie, poussé par les vents de la vie, poussé par tous les événements qu'on ne peut pas contrôler. Puis à un moment donné, on peut décider de lâcher du lest, de lâcher des dogmes, de lâcher des habitudes, de lâcher des croyances, de lâcher des certitudes, et puis de changer d'altitude psychologiquement, philosophiquement, spirituellement, pour trouver dans la vie d'autres influences, d'autres tendances, d'autres directions qui vont donner à notre futur une trajectoire différente. Et c'est ça qu'il faut encourager. Alain Noël. Il y a une question qui était apparemment religieuse, mais qui pose la question de est-ce qu'on abaisse Dieu au niveau des hommes, Dieu qui a créé l'homme à son image, quand on n'arrive pas à lui ressembler? Je trouve que c'est une excellente définition. C'est vrai que dans la religion, on a tendance à abaisser l'homme, à abaisser Dieu au niveau de l'homme pour le comprendre, alors que la spiritualité essaye plutôt d'élever l'homme au niveau d'une transcendance, qu'on appelle Dieu ou qu'on l'appelle autrement. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la spiritualité devrait vivre un regain d'intérêt et la religion devrait évoluer drastiquement. Parce que la religion est en train aujourd'hui de creuser sa propre tombe, alors que si la religion retrouvait le sens de la spiritualité, je pense qu'elle reprendrait un rôle extrêmement important dans notre monde et un rôle de réunir les gens plutôt que de les séparer, de les diviser. D'ailleurs, j'ai bien aimé quand vous avez dit, je considère que la spiritualité est la plus grande des aventures. C'est une phrase que j'ai retenue en me disant que, effectivement, mais parce qu'elle est trop confondue avec tout ce qui est d'ordre du religieux, du coup, elle est beaucoup évacuée. Hein. Oui. Et c'est quand même un peu dommage. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. C'est pour ça que j'aurais voulu que vous approfondissiez un petit peu quand vous avez parlé de la laïcité. Parce que parfois, surtout dans nos maisons maçonniques, on va dire ça comme ça, on a parfois ce type de fonctionnement qui consiste à dire « Ah, comme vous dites, on va tout jeter parce qu'il y a la laïcité. » Or, comme vous le disiez, la laïcité, c'est simplement le fait de séparer l'Église et l'État. C'est oui. Pas en soi. Enfin bon, je vous laisse peut-être développer un peu plus. Oui, non, mais c'est vrai que dans la laïcité, on essaye de résoudre les conflits religieux en supprimant la manifestation religieuse. Ça évite que quelqu'un qui a un foulard et quelqu'un qui a une croix et quelqu'un qui a une étoile juive autour du cou se disputent sur l'espace public. Mais ça devrait, et je pense que ça part d'un bon sentiment. Parce que ça n'interdit pas la religion. Ça demande simplement qu'on ne la manifeste pas dans l'espace public et social. Mais par contre, ça n'empêche pas du tout les promoteurs de la laïcité d'encourager plus de bonté, plus de respect, plus de compassion, plus de conscience, et puis d'inclure ça à l'école, parce que ça, ce n'est pas du tout des notions religieuses. Et c'est une catastrophe qu'aujourd'hui on ne le fasse pas. C'est une catastrophe parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus clivé, de plus en plus matériel. Matérialiste, c'est déjà un jugement de valeur, mais matériel, c'est juste une observation. On est en train d'incarner les gens encore plus que ce qu'ils l'étaient déjà, dans un fonctionnement clivant, dans un fonctionnement de rejet, de solitude, de haine. Alors, on va haïr les riches, on va haïr les étrangers, on va haïr ceux qui ont une autre religion, haïr ceux qui pensent autrement, qui ont un autre parti politique. Mais c'est catastrophique. On est en train de faire le chemin inverse à celui qu'il faudrait faire. Une petite question toute simple, très courte. L'amour n'est-il pas finalement une victoire de la conscience?
L'amour serait-il une victoire de la conscience? C'est beau. Je prends. Bon, la réponse, je pense que notre auditeur sera satisfait de la réponse. Nous, oui. D'accord. Bon, je vois que l'heure tourne. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Alain Noël, tu veux faire une petite conclusion? Oui, c'est vrai qu'il est 20h50. Conclusion 50 passé, oui, 53. Je pense que tous nos auditeurs ont été, spectateurs ont été très sensibles à une image de Bertrand Piccard qu'il n'imaginait pas. Et peut-être qu'il y a une réponse qu'il n'a pas donnée ou qu'il a ébauchée. Est-ce que c'est la démarche scientifique? Est-ce que c'est la démarche d'exploration? Est-ce que c'est la démarche du psychiatre qui amène à la spiritualité? Ou est-ce que c'est plutôt la recherche spirituelle qui amène à la recherche scientifique et à la recherche exploratoire? C'est un vaste débat dans lequel on ne va pas rentrer ce soir, mais qui pourrait être le sujet d'une autre conférence. Simplement, merci. Je vais vous répondre à Alain Noël, parce que je trouve intéressant. J'avais un père très scientifique, rationnel, et une mère très spirituelle, qui avait une quête extrêmement importante. Et ce que j'ai fait, c'est de concilier les deux. Voilà. Concilier les deux extrêmes. Vous êtes le 3. C'est l'unicité, en fait. Pardon ? Vous êtes le 3. C'est l'unicité, en fait. Oui. Donc, merci à Bertrand Piccard de cette conférence qui a passionné tout le monde, puisque nous étions encore, il y a quelques minutes, près de 200 à l'écouter, enfin 200 connexions informatiques, ce qui veut dire qu'il y avait encore 300 spectateurs, entre guillemets. Je voudrais simplement conclure sur peut-être une phrase que j'ai retrouvée dans le dernier livre de Bertrand Piccard, Réaliste. Bertrand cite Tolstoï. Alors, je ne sais plus si c'est dans Anna Karénine ou dans Guerre et Paix, mais la phrase est typiquement maçonnique sans qu'il le sache, en la citant qu'elle était maçonnique. Chacun pense à changer le monde et personne ne pense à se changer soi-même. Voilà la définition d'une démarche maçonnique qui se veut réaliste et spirituelle. Merci Bertrand pour cette conférence qui nous a passionnés, et à une prochaine fois sans doute. Je rends la parole à Marie-Thérèse pour nous annoncer. Vous allez dire que dans la continuité de ce que vient de dire Alain Noël, eh bien moi je vous incite à lire, si vous ne l'avez fait, le livre de Bertrand Piccard, Changer d'altitude. Parce que sans doute que vous aurez des réponses à ce que vient de dire Alain Noël à travers les yeux et la réflexion de Bertrand Piccard. Et je pense qu'en tant que franc-maçon, vous ne pouvez que vous retrouver dans cette lecture-là, et ça ne peut que nous aider tous à avancer sur ce chemin de quête qu'un jour nous avons choisi d'emprunter et sur lequel, qui sait, Bertrand, peut-être un jour... Est-ce que nous vous retrouverons? On ne sait pas. On verra. En tout cas, j'ai été très heureux que nos chemins se croisent et j'ai été très, très intéressé de vous connaître un peu plus. Merci pour ces échanges. J'ai pu vous connaître et vous comprendre un peu plus. Donc, on va se revoir avec un immense plaisir, un immense intérêt.